Antivirus VIPRE, donc l'antivirus VIPRE Advanced Security. Donc il n'y a qu'une seule version au niveau de l'antivirus Home, c'est-à-dire pour les particuliers. Bon, sur le site, j'ai vu qu'une seule version. Donc là-dessus, c'est pas compliqué. Si vous la voulez, vous téléchargez la version. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo pour faire voir l'installation. Donc là, je vais vous faire voir donc l'interface. Donc, au niveau des raccourcis, ça a bien mis ici le raccourci VIP, voilà. Rien de surplus. Bon, en bas ici, voilà, ça c'est normal. Dans le menu démarrer, qu'est-ce que nous avons? Le dossier VIP avec VIP tout court. Voilà, le raccourci. Voilà. Juste l'essentiel, voilà, là-dessus, c'est parfait. Donc hop, on ouvre l'interface. Donc là, je vous fais voir sur VirtualBox. Alors ça peut représenter quelques lags, on va dire, voilà. Au niveau de la vitesse, voilà, c'est pas pareil, hein. Étant donné que la mémoire RAM est partagée, quand vous utilisez VirtualBox, ça prend la mémoire sur votre PC. Donc c'est normal que ça lag un petit peu, voilà, surtout sur les petits processeurs. Donc ne vous fiez pas trop à ceci. Donc l'interface est comme ceci, voilà. Donc la couleur, moi je l'ai changée parce qu'on peut changer la couleur, voilà. J'aime bien les thèmes foncés, voilà, on appelle ça dark. Alors nous avons ici les onglets MyVIP ici, Account là, hop, voilà. Donc là vous changez ici la couleur. Là, pendant que j'y suis, je vais vous faire voir. Blanc, c'est pas mal aussi, voilà. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc ça, c'est gadget, hein. Voilà. C'est un peu gadget. Donc je vais me remettre comme j'étais. Voilà, comme ça. Ça fait moins mal aux yeux, je trouve. Puis on voit mieux. Donc ensuite, onglet ménage. Voilà. Nous avons ici donc des sous-onglets qui appartiennent à l'onglet ménage. Donc, antivirus, date, email, firewall, privacy. Antivirus. Donc la fenêtre ne peut pas s'agrandir. Bon, c'est un peu dommage, hein. Hop, on va essayer de la mettre là. Vous voyez, je ne peux pas l'agrandir. C'est fort dommage. Donc l'onglet antivirus. Donc je vais vous laisser regarder. Et puis je referai une vidéo pour éventuellement expliquer un petit peu ou pour voir ce qu'on peut éventuellement améliorer. Donc là, je vais aller doucement, comme ça vous allez bien voir. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Alors il est en anglais. Je n'ai pas vu le langage quand je l'ai installé, donc je pense qu'il n'est pas en français. C'est bon là-dessus, voilà. C'est bon. C'est dommage. Donc là, je vais repartir en haut. Donc là, on a vu cet onglet-là. On fait update maintenant. Donc là, il était sur 30 minutes. Moi, j'ai mis sur 3 heures. Parce que 30 minutes, c'est trop. Si vous êtes souvent sur votre PC, 30 minutes, toutes les 30 minutes, vous allez avoir des ralentissements. Donc là, ça peut être désagréable. Parce que quand ça met à jour, ça tire sur la mémoire. Donc là, vous pouvez envoyer, hop, des samples. Par exemple, hop. On y reviendra après. Et voilà. Ensuite, email. Bon, email, moi, hop. J'ai tout laissé par défaut, hein. Sauf le réglage de la mise à jour. J'ai mis donc à 3 heures. Au niveau de l'antivirus email, moi, je m'en sers pas, hein. Voilà. Si vous ne vous souciez pas de cette chose-là, il n'est pas nécessaire de prendre un antivirus qui protège, voilà.
Après, de toute façon, si c'est une pièce jointe qui a un virus, bah, normalement, ça va. L'antivirus, il est là, il va faire son travail normalement. Bon. Donc, firewall. Donc, hop, onglet très important. Donc, j'ai déjà fait un petit tour. Bon. Voilà, c'est pas ce que je m'attendais. Voilà. Donc, on y reviendra. Je vous ferai voir. Là, j'ai activé ceci, voilà, parce que c'était pas activé. Donc justement, je suis en train de tester. Voilà, hop. Et privacy. Hop, je vais remonter. Voilà, donc là, hop, normalement, on a fait le tour. Le scan, c'est ici. Voilà. Donc si vous scannez, c'est là. Donc en mettant la flèche de votre souris dessus, vous choisissez ben, le scan que vous voulez, full scan. Donc ça scanne entièrement tout le PC, tous les disques durs, qui sont y compris normalement ceux qui sont reliés par USB par exemple. Enfin, toutes les partitions, voilà. Ou alors Quick Scan, c'est un scan rapide. Ça scanne uniquement le dossier Windows, les programmes et éventuellement là où vont les virus en général. Ou Custom Scan, c'est-à-dire que c'est vous qui définissez le dossier, par exemple, ou la partition. Scan Shoulder, ça veut dire que ce sont les scans qui sont programmés. Donc moi, je les ai enlevés. Donc vous allez sûrement avoir ici des scans. Des scans programmés. Donc il suffit de faire un clic droit dessus et de faire delete ou remove. Je sais plus, c'est un terme comme ça. Faut supprimer. Vous mettez dessus, un clic droit et vous supprimez. Si vous voulez en rajouter un, ben vous l'ajoutez là. Mais bon, c'est pas, voilà. Vous pouvez, hein. Sinon vous pouvez programmer un scan rapide, par exemple tous les mois, par exemple, ou tous les 2 mois. C'est vous qui voyez. On y reviendra plus tard. Donc hop, là c'est bon, c'est fait. Je vais refermer, je vais relancer. Voilà. Donc j'avais déjà commencé à faire un petit scan. Ça m'a détecté des choses, mais ça doit être mes samples de virus. Donc ça va, il me les a pas retirés. Tant mieux. Donc là, je vous ai fait voir donc l'interface. Voilà, en espérant que bah, ça vous a servi.